Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, la chaîne destinée à booster votre vie et à vous aider à vivre mieux, à vivre dans la joie. Alors, voilà, aujourd'hui, eh bien, si vous avez l'occasion, abonnez-vous, ça va nous permettre d'améliorer nos référencements. Et puis, je voulais vous faire un sujet aujourd'hui sur les économies. Économiser, oui. Alors, pourquoi parler d'économie quand on parle de joie? Pourquoi parler d'économie avec un S quand on parle tout simplement de la vie et de booster sa vie? Eh bien, parce que les économies, quand même, permettent de faire certaines choses. Je ne suis pas en train de traiter le problème de savoir si le bonheur dépend de l'argent, là. Je suis simplement en train de dire qu'il faut parler des économies, parce que les économies sont vraiment un point important de notre vie. Nous sommes des individus qui, logiquement, sommes reliés à la société. Et à ce titre, étant donné que c'est une société consumériste, une société capitaliste, je ne critique pas, je suis simplement en train de constater, hein, je ne suis pas en train de remettre en place les lignes, simplement, eh bien, nous devons envisager cet aspect. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'approche que nous proposons, nous allons être totalement obsédés par l'idée de faire des économies, mais je pense qu'il faut quand même faire le point, parce que je connaissais des gens qui ne faisaient pas d'économies et qui en étaient malheureux parce qu'ils se culpabilisaient. Alors, même si on est fleur bleue, même si on est sentimental, même si on est tout ce qu'on veut, on doit quand même reconnaître qu'on vit dans une société particulière et que cette société, eh bien, elle intègre l'argent. Et que l'argent, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est tout de même un moyen de faire certaines choses. Ça signifie tout simplement que vous devez tout de même, selon moi, économiser à certains moments. C'est-à-dire que, globalement, on ne peut pas vivre sans gérer ses comptes. On ne peut pas vivre sans intégrer l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, je vous conseille, il vous est conseillé d'économiser. D'économiser tout simplement parce que vous pouvez en avoir besoin à un moment et puis que c'est tout simplement une sécurité. Alors, peut-être avez-vous l'image du vieux Grigou qui meurt avec son tas d'or et qui n'a rien. Ça, c'est d'accord, hein, ça, c'est possible. Mais j'ai remarqué aussi que pas mal de gens qui critiquaient le fait d'économiser, le fait de thésauriser parfois, eh bien, étaient les premiers quand vous aviez une voiture un peu plus moderne ou un objet un peu plus intéressant à venir vous voir et puis à regarder. Donc, ne soyons pas hypocrites, dirons-nous. Le fait d'économiser est tout de même quelque chose de salvateur et pour moi, c'est un peu la logique. Hein. Il ne viendrait pas à l'idée de traverser le désert avec simplement trois verres d'eau dans une gourde qui fuit. Eh bien, moi, il ne me viendrait pas à l'idée de traverser la vie sans avoir un peu de biscuits, ne serait-ce que pour soi. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre, hein? Parce que je ferai un petit sujet plus tard sur le fait de thésauriser. Là, il n'est pas question de vouloir devenir riche, hein. Il est simplement question de chercher à assurer sa sécurité. Décidément, ce matin, c'est dur. Donc, comment faire? Eh bien, c'est assez simple, hein. Quand vous voulez économiser, moi, j'ai trouvé une recette radicale. Elle consiste d'abord à identifier les sources de dépenses qui sont incontournables. Si, par exemple, vous avez l'alimentation, ben, vous mangez, hein, donc vous allez considérer votre alimentation. Ben, moi, c'est très clair, hein, je vais au supermarché toutes les semaines, même si c'est pas un système qui paraît si bobo que ça. Eh bien, toutes les semaines, je sais que mon caddie fait 50, 60, 60, 200 euros. Enfin bon, vous voyez, je vous explique pas. Donc vous avez ça, vous avez le gaz, vous avez l'électricité, vous avez le loyer, vous avez les assurances. Et quand vous mettez tout ça bout à bout tranquillement, eh bien, vous obtenez une somme. Cette somme, elle est incompressible, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir y toucher. Vous allez pouvoir la modifier, hein, peut-être parfois en changeant votre assurance de voiture, en changeant votre forfait internet ou mobile, mais grosso modo, à 3% près, vous n'allez pas pouvoir faire de gros arbitrages.
Je précise que je ferai un sujet un jour pour permettre plus long, mais pour permettre d'essayer de donner une bouée de sauvetage pour ceux qui voudraient, on va dire, gérer leur budget et le maximiser. Alors donc, une fois que vous avez fait ce petit calcul, eh bien, il vous suffit plus que de calculer ce que vous gagnez, la différence entre ce que vous gagnez et ces dépenses indispensables. Et vous allez voir ce que vous êtes susceptible d'économiser. C'est-à-dire, si par hasard vous étiez dans une merde infernale, ce que vous seriez susceptible de mettre de côté chaque mois. Alors une fois que vous avez économisé ça, que vous avez cette somme, hein, supposons que vous gagnez 2 000 € par mois et que vous êtes célibataire, vous en dépensez 1 000, ça signifie que vous avez 1 000 € à affecter à quelque chose. Alors moi, ce que je recommande, c'est de mettre un pourcentage systématique sur un compte. Hein, c'est-à-dire que, alors l'idée, je vous dis pas 50%, je pense que 50% est pas mal parce que mentalement, ça correspond aux deux, c'est-à-dire vous vous faites du plaisir, mais dans un autre sens, vous pouvez aussi économiser. Alors faut pas tomber dans l'excès débile, hein, c'est-à-dire que si un mois, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas dépensé parce que vous êtes allé chez vos parents et qu'ils vous ont offert tout, c'est pas la peine de craquer le dernier jour du mois votre argent dans une montre dont vous n'avez pas vraiment besoin. Ce que je veux dire, c'est que ce système de 50-50 est pas mal. Il est pas mal parce que finalement, eh bien, vous allez pouvoir d'un côté ne pas vous culpabiliser en augmentant vos économies, et de l'autre, eh bien, vous allez pouvoir prendre du plaisir dans certains domaines. C'est à ajuster, bien entendu, mais à mon avis, il faut quand même économiser au moins 50% de manière à pouvoir faire certaines choses. Hein, parce que contrairement à ce qu'on vous dit, toutes les nouvelles formules d'achat crédit qu'on vous sort à l'euro par jour, c'est pas cher par jour, mais finalement quand vous le ramenez au mois ou à l'année, c'est quand même beaucoup. Alors après, je répète que je ferai un post spécial pour la manière de sauver entre guillemets cet argent, de le mettre de côté. Mais je pense que c'est quelque chose de fondamental que d'être capable d'économiser. Alors je sais que certaines personnes me diront peut-être que ça n'a pas de sens, qu'on peut vivre comme la cigale et que la fourmi est complètement rétrograde et qu'on est dans une société, dirons-nous, ouverte, productrice de richesses et que c'est un comportement ancestral. Mais je maintiens, en contrevent et marée, je maintiens que c'est d'ailleurs ce que je dis à mes enfants. Je maintiens que économiser est un moyen de se sécuriser et par là d'être plus sûr de soi. Quand on va voir son banquier, on a déjà un petit capital si on veut acheter quelque chose et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était le point sur économiser. N'hésitez surtout pas à nous donner vos ressentis là-dessus, à argumenter, à réagir. Si ce programme vous a intéressé, bien mettez un pouce bleu pour nous aider à être référencés et puis aussi abonnez-vous, ça nous aidera. Merci, bonne journée.